Hey, on y est. On est arrivé. On est encore là. Yeah. Une autre semaine, je sors directement sur l'homme de la situation et j'ai nommé Jonathan Brisebois. The man, encore une fois, on dirait que j'ai ça à chaque semaine, mais là, c'est vrai. Joe, what's up? Trop content de te voir. Thanks, man. Merci de l'invitation. Ben là, je dis que j'ai ça à chaque semaine, puis là, c'est vrai, mais écoute... Le calibre en ce moment de ce que je reçois comme à chaque semaine, tu sais, Ben Jones, Raph, Charles, puis là toi, puis là, tu sais, je regarde le line-up de ce qui s'en vient là, comme dans les prochaines semaines, c'est complètement insane. Merci énormément d'avoir accepté mon invitation. Puis là, pour le monde qui ne sait pas, là, t'es comme 14 heures en avance sur nous autres en Australie, right? Yeah, je suis déjà dans le futur en fait. Ouais. T'es déjà dans le futur, fait que comment ça look le futur en ce moment? Il fait beau. Il va faire plus chaud éventuellement pour vous autres. Il va faire plus froid pour moi. Mais écoute, vous allez sortir à un moment donné de votre lockdown. Ok. On s'en sort là. Ouais, ouais. Ok. Ben écoute, si tu le vois, si tu vois dans le futur, moi je nous souhaite en tabarouette parce que je pense qu'il y a du monde qui commence à être écœuré, hein? Le monde à la maison, n'est-ce pas? Écoute. Je suis le premier. Ouais, c'est clair. Écoute, routine oblige. Moi, je suis sur la bière, encore une fois, la bocale, Berliner, sponsez-moi, s'il vous plaît. Merci. Et toi, t'es sur le café, right? Ouais. Parce qu'il est 9h30 le matin. Yeah, fait que cheers, man. Content que tu sois là. Cheers. Donc, écoute, on va commencer ça tout de suite. J'aimerais ça un peu que tu nous parles ben, de toi, de qui est Jonathan Brisebois, a.k.a. Brokenwood, sur les interwebs, mais aussi que tu nous expliques pourquoi tu es rendu en Australie, what's up, changement de vie, tu étais à Montréal, puis là tu es parti avec le patapouf que je vois derrière, bien couché sur le lit. Et ouais, peut-être l'entendre ronfler plus tard. C'est bien correct. Je suis parti en fait, je pense juste pour... l'aventure là, faire de quoi de différent, puis je pense que j'adore Montréal, puis Montréal c'est clairement ma ville, mais moi puis ma copine, on voulait essayer de quoi de différent, elle vient d'Australie, donc on s'est dit ok, let's go, on va le faire, fait qu'on est parti, puis je me suis dit je vais venir rester ici, je suis déjà venu quand même souvent en Australie, donc je connais un peu le coin, mettons. Puis, ouais, je pense qu'on a juste le goût du défi, puis de se rendre un peu inconfortable, I guess. Ouais, 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 parce que toi, t'es quand même, ben, en tout cas, on va le voir là, dans certaines de tes prods, là, veux pas, mais t'es quand même un voyageur dans l'âme, là, tu sais, que ce soit South by Southwest, l'Ouest canadien, t'as-tu été aussi à Berlin pour un show, en tout cas, tu vas nous en parler, mais t'as quand même voyagé beaucoup, là, pour de la prod, là. Je sais pas si j'ai plus voyagé que d'autres gens, bon, mais... Que moi, oui. Que moi, ouais, oui, je te le confirme. Mais, ouais, mais ça fait partie, je pense... Moi, écoute, quand j'ai commencé, quand j'étais plus jeune, puis j'avais genre 16 ans, une des raisons pourquoi je voulais faire ça, c'était clairement pour voyager, là. C'était... Donc, oui, c'est sûr qu'il y a quand même quelques projets qui font voyager, puis c'est toujours le fun. Mais maintenant, c'est comme... avec les temps qu'on vit, on va voir comment que la business va changer aussi. Ouais, clairement, tout ce qui veut être relié à production et voyage, c'est dans ma ligne, là. J'adore ça. Ben écoute, au risque de sonner excessivement trop cheesy, tu nous fais voyager grâce à tes histoires et à tes images, mon cher. écoute, joke aside, on va tout de suite embarquer sur... les Steals, parce qu'à chaque fois, on part là, sur une chair. Fait que j'aimerais ça qu'on embarque sur le premier. Tu le vois à l'écran. Si moi, normalement, il y a un petit bug, tu vas me le dire, ce sera pas un bien long. J'active ça dans 3, 2, 1. Boom! L'Ouest, right? Ouais. Ouais, l'Ouest canadien. Mais dans le fond, c'est ça, les Steals que j'ai envoyés, c'est vraiment relié à... aux histoires qui viennent avec. J'ai commencé à faire ça pour voyager, mais pour mm-hmm. vivre des histoires aussi. Puis ça, c'en est un, tu sais, projet corpo, pub un peu, où est-ce que fallait juste pendant 2 semaines
voyager à travers le Canada pour des auberges de jeunesse, c'était pour Hosteling International. Ok, nice. Puis c'était moi, puis c'était mon bras droit, là, mon meilleur ami Nico, avec qui je fais beaucoup de projets. Nick, te l'as-tu dit cette semaine sur Laurier? Même hier, je l'ai croisé sur Laurier, puis il te fait dire un beau gros salut, même si vous parlez à chaque jour. Fait que, ouais, on se parle pas mal toutes les semaines maintenant. Ouais, c'est clair. Mais tu sais, c'est le genre de projet que tu sais, on part, puis on fait comme, ok, gars, on va aller faire des belles images, on va faire de quoi de vraiment cool, puis ouais, on n'a pas grand-chose, tu sais, on a la caméra, peut-être un gimbal, puis des réflecteurs, puis let's go, là, on y va. Puis, ça fait partie, tu sais, de genre de projet quand même docu, là, tu sais, tu sais vers où tu t'en vas, mais tu sais pas vraiment ce que tu vas avoir devant toi, mm-hmm, puis tu go with the flow, là. Ouais, ouais, ouais. Ben ça, c'est clair, parce que de toute façon, en tout cas, je sais pas si nous, pour notre part, ou du moins moi, pour ma part, je sais pas si cette formule-là, c'est quelque chose que j'aime, parce que c'est comme, ça a pas besoin d'être compliqué. C'est ça qu'on disait la semaine passée quand tu me disais que tu l'avais écouté, là, du moins en partie. On dirait que de plus en plus, on s'en vient vers des formats qui sont moins compliqués, moins de grosses équipes, puis qu'ils peuvent donner des résultats vraiment top, là, que de toute façon, lui, on le verra pas, là, particulièrement, là, mais les résultats, des fois, quand on n'est pas beaucoup, ça change pas grand. C'est autant de qualité que si on était nécessairement 35. C'est sûr que c'est un peu moins complexe, les mouvements de cam et tout, là, mais... Ouais, mais il y a quand même y a une chimie qui s'installe aussi. T'sais, c'est moi, Nico, puis il y avait, en fait, comme une des clientes, là, Vicky, qui était avec nous là-dedans. Puis vraiment, tu sais, comme... On faisait un appel, genre, il s'occupait d'appeler les auberges en disant comme, ok, on s'en vient, tu sais, est-ce que vous avez trouvé des gens, on a besoin de faire, on veut filmer telle ou telle activité. Ouais. Fait que tu sais pas trop avec quoi tu vas te dealer, mais en même temps, ça laisse vraiment la liberté de faire, hey, on fait ce qu'on veut. Mm-hmm. Si on se disait comme, ok, on est proche de tel endroit, on va aller, on va filmer un lever de soleil au top d'une montagne. T'sais, on le faisait là, t'sais. Puis ça donnait vraiment des trucs super cool que t'sais, comme ça, on était genre, ok, on va faire un time-lapse de ça, c'est une shot de time-lapse en fait là. Ah ouais, ok. Puis t'sais, tu vois ça, tu fais comme, ok, c'est incroyable là. Nice. Ben justement, ça s'est mis une autre. Il y a plein de aussi de mésaventures qui peuvent arriver là. Donc, il y avait une des deux auberges qu'on n'avait pas été prévenus vraiment, mais... Il n'y avait pas de Wi-Fi, pas d'électricité. Il y avait juste des toilettes communes dehors. Là. Il n'y a pas de conduit d'eau ou quoi que ce soit. Là. Fait que t'es comme, ok, faut charger les batteries. Qu'est-ce qu'on fait? Nice. Fait une sortie. Fait que vous avez fait des tours de char avec tout ça plugé dans le char, puis c'est ça, right? En fait, au final, il y avait une petite chambre, genre de cabanon en fait, mm-hmm, où est-ce qu'il y avait, je pense, il y avait un peu d'électricité là-dessus, mais là-dessus, puis ça pouvait juste seulement fonctionner en certaines heures, fait que c'était quand même rock and roll, tu sais, c'était une auberge au beau milieu des bois, parce qu'il y avait rien, là. C'est leur type d'auberge, où est-ce que... c'est le monde qui veut vraiment être tranquille. On devait genre moins d'une dizaine. Puis les gens qui étaient là, c'est des gens qui partaient en randonnée pendant des jours. Là. C'est quand même c'est quelque chose. Mais c'est le fun. Mais ouais, en même temps, c'est le défi de faire comme, ok, on va faire quoi? Ouais, c'est clair. Ben écoute, ça, c'est la preuve, ça te fait des bonnes anecdotes. Fait que voilà, il n'y en a pas de problème. Prochain Steals qu'on a fait, celui-là, tu me parlais que... ben dans le fond, rappelle-moi, c'est quoi le nom du projet de celui-là? Ça, c'est un projet avec Le Monde. Oui. Je veux pas dire... c'est pas Tourisme Canada, là. Mais c'était par rapport à faire la promotion du Canada, aux Français surtout, okay, avec Le Monde. Puis ça, c'est un projet qui était fait avec Casadel, qui était réalisé par Thierry Sirois. Puis encore là, tu sais, on a été... Il voulait qu'on aille à des endroits au Canada où est-ce que, habituellement, les touristes vont moins. Mm-hmm. On avait comme 4 ou 5 portraits à faire sur différentes personnes. Fait qu'on a été voir des cow-boys au beau milieu de l'Alberta.
ça, c'était au Nouveau-Brunswick, cette shot-là. Puis, tu sais, les cancars-là, c'est le genre d'équipe que c'était moi, Thierry, Charlie, qui est mon assistant de cam sur les projets. Allô, Charlie. Eh oui. Il y avait Sam, le preneur de son, puis Caro aussi qui produisait là-dessus. Caroline Bergouin, puis ouais, genre du gros fun. Là. C'était deux semaines dans une minivan, prendre une ou deux avions, puis on s'est promené, puis ouais, là, c'était juste du gros fun. Puis c'était comme, tu sais, genre la petite famille, puis encore là, c'est comme, ok, hey, tu sais, c'était pas, ok, on tourne 10 heures après 10 heures, comme, hey, non, non, je tourne pas plus que 10 heures. C'était, non, on y va jusqu'au bout, puis tout le monde s'aidait, là, tu sais. Il y avait, quand on tournait pour, à ce moment-là, on avait des shots à faire sur l'eau, en canot. Puis, tu sais, Sam avait fait son son. Puis, tu sais, il y a des shots behind the scene où est-ce que, il juste là, on retient un canot, Sam est là en train de diffuser, on balance de l'autre bord. Puis, je dis, écoute, c'est pas sa job de faire ça, là, à Sam, là. Tu sais, c'est un, il est preneur de son. Puis, écoute, il fait parce que. Il y avait le coup de le faire parce qu'on était une famille, parce qu'on a du fun en gang, puis qu'on est tous là pour s'aider. Puis, moi, c'est un peu ça que je trippe à faire des projets avec des petites équipes. Là. Mm-hmm. Des gros projets, j'en ai moins fait. J'ai travaillé sur des grosses pubs, des trucs comme ça quand j'étais plus assistant de prod dans une autre vie. Là. Ok, parce que t'as fait assistant de prod, je savais même pas, tu vois. Ben ouais, quand j'ai commencé, en fait. Nice! On pourra en parler, mais ouais, j'ai travaillé sur des plus grosses pubs, des trucs comme ça, mais vraiment comme technicien à ce moment-là. Ok. Ben écoute, tu vois, je savais pas en tout que t'avais fait ça. On en apprend, tu sais, on pense à connaître, puis bam, si tu m'apprends de quoi, j'étais pas prête. J'étais vraiment pas prête. J'étais pas prête à ça. Le prochain steal, c'est avec notre chum Apache. Ben ouais. Mm-hmm. Ben oui, mais c'est des clips justement que je m'occupe de la direction photo avec Adrien, qui s'occupe de la réal. Puis ben en fait John aussi, je pense qu'il est dans son, il aide aussi au concept et tout. Bien évidemment c'est plus Adrien qui est sur le tournage qui réalise. Puis encore là, c'est des projets qui sont comme pro bono là, on le fait pour le fun. Là, puis c'est toujours plein d'aventures dans ces trucs là. Donc ça c'est en studio. Là. Pour son clip Good News. Ouais, Good News, ouais, que j'ai écouté hier justement. Je suis tombé sur le documentaire qui est sorti la semaine passée, là, qu'Adrien a fait. Puis si vous n'avez pas regardé ça sur YouTube, là, Apache Documentary sur Renaissance, si ma mémoire est bonne. Écœurant. Vraiment très très bon. Mais aussi, ce que Apache fait est incroyable. Puis fou. Ce que Adrien fait aussi avec lui est juste. Ouais. Tout ce qu'ils font ensemble, c'est pour moi, je suis toujours épaté. Ouais, fait que pour ceux-là qui ne connaissent pas, c'est APASHE sur YouTube. Allez checker ça, vous allez vous perdre dans les limbes de YouTube avec leur petit génie créatif complètement débile dans la tête. Je me rappelle pas s'il y a un autre style. Laisse-moi aller double valider s'il y en a un autre de cette prod-là. Eh bien non, ce n'est pas la même production. Non, c'est un autre prod. Ben ça, c'est lié. En fait, c'est juste avant de partir pour. Ici. Mm-hmm. Et on avait fait quelques clips. Puis, donc, il restait ce clip-là qu'on voulait faire. Puis, c'est toujours un peu le défi, là, en clip, là, de ne pas avoir vraiment beaucoup d'argent, puis de vouloir faire des trucs, c'est un peu plus gros. Puis, à ce moment-là, on a un concept assez simple, là, c'est un clip de danse, parce qu'elle, elle danse là-dedans et tout. Mais on voulait juste. Plein de jeux de lumière qui changent à tout moment. Puis aussi, juste pour comme rendre ça plus facile, ben un plan séquence, puis on coupe pas. Ben oui, tu sais, why not? C'est fait que ça a été tourné vraiment un plan séquence avec des astéras, avec plein de trucs. On avait dans juste à côté de la porte, là. Mm-hmm. Y a une petite chambre. Toute l'équipe était là-dedans, on avait quelqu'un qui aiguillait l'éclairage, plus j'avais une autre slash gaffer qui était là avec l'application pour les astéras qui me suivaient en arrière. Pour clic, ouais. Pour trigger, nice. Tout ça. Puis fait que là, on avait juste tout ça joué ensemble. On avait
Francis Aubin, qui Creative Lab, qui nous avait passé des trucs aussi. Il y a des barres de laser. On a mis des barres de laser au plafond qu'on pouvait trigger à distance. C'était vraiment comme une grosse chorégraphie entre caméra, danse, jeu de lumière. C'est quoi le nom du clip pour ceux-là qui veulent aller le regarder? Oh man! C'est pas grave, on le mettra dans les commentaires plus tard, il y a vraiment pas de stress. J'ai un blanc de mémoire là-dessus. Mais allez voir tous les clips de l'IA parce que tous les clips sont super beaux. Oui, ça c'est vrai. Oui, c'est ça. c'est pour ça, exact. Prochain, voilà, on continue avec ça aussi. Mais ça, c'est un style en fait d'un des vidéos. Ouais. Je pense qu'on va peut-être voir. Oui. Comme notre premier clip qu'on a fait avec l'IA. C'était ça c'est le genre de truc aussi que tu sais, j'ai co-réalisé avec Adrien. Je suis pas un réalisateur nécessairement, mais quand c'est co-réalisé, j'ai pas de problème avec ça. Je préfère avoir deux têtes là-dessus. Je pense pas que je réaliserais un truc tout seul, peut-être plus maintenant. Je préfère pouvoir échanger des idées. Puis ça, c'en est un projet que, encore une fois, pas beaucoup de budget. 3 jours de tournage. Puis je pense on a juste la chance d'avoir des gens autour de nous qui veulent nous aider. On avait Stéphane Klopp qui nous avait passé beaucoup de clipping. Je pense que même là-dessus, il y avait Nico Tomassini qui nous avait passé aussi des trucs. Donc, on a la chance d'avoir des gens qui veulent nous aider là-dedans, qui veulent nous aider à nous exprimer. Puis, encore une fois, même comme mon bras droit là-dessus, Nico était là-dessus. On avait des scènes où les caméras étaient au-dessus, attachées au-dessus de l'eau. Puis, moi, j'avais aucun stress. Là. Connaissant Nico, il peut trigger une caméra n'importe quoi. Où, là. Ouais, c'est clair. Ah, ça, c'est clair. Ouais, c'est vrai. Mais tu disais tantôt que. Au niveau de la réal, tu voudrais plus nécessairement réaliser. Pourquoi? Y a-t-il non, ben pas que je veux plus réaliser. C'est juste le stress d'être réalisateur. C'est quelque chose que je suis... Bravo à tous les réalisateurs. Je préfère stresser avec la lumière qu'avec le jeu d'acteur et tout. Mais j'ai quand même des idées. Puis j'aime les apporter, mais souvent, j'aime collaborer. J'aime échanger des idées avec des gens. Puis, je pense que la plupart des projets que je suis le plus fier, c'est des projets que ça a été toujours juste des collaborations parce que on pitchait in, puis on est tous là pour s'en venir on vient tous au même but. Là. Mm-hmm. Ouais. Donc, de réaliser tout seul, j'ai pas trop d'intérêt. Que ça va même stresser plus que d'autres choses. J'ai pas besoin de ce stress-là. Mais de le faire, de co-réaliser, mettons, j'ai 100 fois, là, j'ai pas de problème avec ça. Puis, j'ai du fun à pitcher des idées, mais je sais que j'ai des lacunes probablement aussi en tant qu'acteur, comme des jeux d'acteurs, des trucs comme ça. Moins là-dedans. Là, fait que, tu sais, quand on va, mettons, faire un truc comme un projet comme ça avec Adrien, ben. On va arriver avec l'idée ensemble. Puis une fois qu'on va arriver sur le plateau, lui il s'occupe de la réal sur le plateau. Moi je m'occupe de la lumière. Puis après ça, une fois qu'on rappe ça, là au montage, on va venir se retrouver ensemble. C'est vraiment hot de pouvoir compter sur. Parce que tu sais, comme tu disais, ton acolyte, que ce soit Nico ou que ce soit Adrien, tu sais, vraiment, vous avez. T'as su vraiment bien t'entourer de monde qui viennent te complémenter. Même chose pour les autres personnes, mais je trouvais. Parce que. On s'en est déjà parlé, mais une des raisons pour laquelle une des premières personnes que moi j'ai découvert quand je me suis intéressé au monde de la prod, justement, c'est toi. Puis quand je regardais les trucs que toi puis Nico faisiez, toi puis Adrien, on dirait tellement que vous vous complétez comme si c'était genre, ça faisait 30 ans que vous faisiez ça ensemble, puis vous êtes nés dans le même berceau, puis genre, c'est malade de voir aller là, sur les. C'est vraiment. Ben, c'est clair qu'il y a de l'histoire en arrière de ça. Là. Nico, ben, déjà, c'est sûr que c'est quelqu'un avec qui j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie. Puis Adrien, écoute, ça fait longtemps que je le connais. Tu sais, Back in the days, je faisais des raves avec certaines personnes, puis je m'occupais aussi des vidéos à ce moment-là, puis à un moment donné, c'était juste comme. Trop de travail de
s'occuper du party, puis de filmer, puis c'était juste, bon, ben Adrien, toi tu filmes, let's go. Ouais. Ça a comme commencé même, là, puis de là, on s'est comme connus, puis on a commencé à travailler ensemble aussi, avec le temps. Nice. Fait combien de temps vous connaissez à peu près, là, average? Ah, hey man, j'ai goûté, genre, 8-9 ans, 10 ans. Ouais, ah, ok, moi, je pensais vraiment que c'était comme plus, tu sais, je sais pas, vous alliez au secondaire ensemble, puis après ça, tu sais. Non, pas du tout, je suis un gars de la Rive-Nord. Ok. Lui, il vient de Montréal, donc... Ok. Non, c'était, ouais, 8-9 ans, là. Ben, tu sais, nice. Il est quand même jeune aussi, fait que, à ce moment-là, oui. Il devait avoir 18 ans, là. Nice. Ah ben écoute, je savais pas, mais en tout cas, clairement, ça se répercute dans votre travail. Puis, tu parlais tantôt de, justement, les caméras que Nick irriguait. Majoritairement, toi, tu shootes avec quelle caméra, quelle lens? T'as-tu, genre, des préférés, admettons, sur les projets qu'on vient déjà de voir? Ou tu y vas un peu selon les différents types de mood? Ou t'as vraiment un go-to, là? Les lens, ça dépend vraiment, là. Mm-hmm. Ça dépend du projet, fait que ça change. Ouais. Caméra-wise... J'avoue que 99% du temps, c'est avec la Red, là. Avec la Gemini, parce ouais. Parce que j'en ai une, puis elle est là. Ouais. Fait que ça aide pas mal aussi, justement, pour des projets pro bono. Ben, tu sais, genre. Ouais. Elle est là, elle est gratuite, on va la prendre. Fait que souvent, c'est ça, ouais. Ben, même ça, tu sais, ça a été. Ça, avec Elisa P, ça a été tourné aussi en Red, avec des CP2. Puis un autre projet, j'ai toujours trippé quand même du documentaire. T'sais, j'aime la fiction, j'en fais pas de temps. Je fais pas vraiment de court-métrage, de long-métrage ou de web-série, des trucs comme ça. Mais je trippe à faire de l'espèce de fiction, un peu documentaire. Donc, on faisait un vidéoclip pour Elisa P, puis on qui était comme un documentaire un peu sur la vie à Saint-Louis, qui est comme au bout du Québec. Puis écoute, c'est incroyable là, ça, là. On était là comme 4 jours de temps, on a vu la plus grosse aurore boréale ever. On a vu des gens, on a rencontré des gens incroyables. Puis je pense que ça fait partie de, encore là, de pourquoi on fait ça, là, de pouvoir vivre des aventures, rencontrer des gens. Donc ouais, c'est vraiment comme l'exemple typique des projets que j'avoue que j'aime faire là. Espèce de fiction, un peu documentaire. Un peu comme HR Canada, un peu comme ouais. Le projet avec Casadel, Le Monde. Donc, ouais. Nice. Ben, je continue justement avec les prochains styles. Ça, I guess que c'est du drone, mais t'as pas lancé une histoire. Ouais, ça c'est du drone, c'est Saint-Louis. C'est le genre de truc, en plus, t'es là-bas, puis tu vois tout le brouillard, là. Ben, ça arrive souvent. Fait que là, t'es comme, OK, on est supposé partir le lendemain, mais si c'est comme ça, on va falloir repartir. On va falloir partir le surlendemain. Je pense qu'on avait des prods qui s'en venaient genre comme quelques jours après. Fait qu'on était comme, OK, on va rester ici combien de temps? Finalement, on a réussi à repartir. Ouais. Mais c'est beau aussi. On est parti à la chasse à un moment donné avec eux dans le brouillard et dans le toundra. Ouais. C'est quelque chose, là. Ben, les visages dans ce vidéoclip-là sont juste insane, là. C'est comme, il y a tellement d'histoires, il y a tellement comme... Tout ce qu'Elisa P qui est quand même engagé là, dans son art, là, les visages que tu as su prendre là-dedans, surtout aussi avec la game de baseball, si je me rappelle bien, là, ouais. C'est écœurant. Et écœurant. C'est ouais. Puis on voulait quand même aussi, on voulait donner de la place beaucoup aussi à la femme là, dans ce projet-là, ouais. Ce qui était quand même important. Puis montrer que le monde qui sont là-bas, ils l'ont pas nécessairement facile. Mais, tu sais, c'est du monde qui sont forts, là. Très, ouais. Très, clairement, là. Puis, non, c'est incroyable. On dormait chez de la famille. Tout le monde là-bas est comme un peu de la famille, là, vraiment. Nice. Même s'ils ne sont pas vraiment. C'est comme ça, c'est mon cousin. C'est vraiment ton cousin? Non, c'est pas vraiment mon cousin, mais c'est mon cousin. Ah, OK. Puis, fait qu'on dormait, je suis un des chasseurs de la place. Fait que c'est pour ça qu'on était allé chasser un des matins. Ça a donné des images incroyables, là. Oui, ben pour ceux-là justement qui sont curieux, vous pouvez aller le voir sur, si ma mémoire est bonne, le vidéoclip s'appelle Arnaque, A-R-N-A-K, de Elisa P. Ouais. Un autre beau petit bijou de notre chum Joe. On arrive à la fin des stills, tranquillement, pas vite. Donc, ceux-là, c'est pour Aéroport de Montréal, right? Ben ouais, projet corpo, mais encore là, le fun, encore là,
style documentaire, très documentaire, mais monté quand même, la job de montage qui a été faite là-dessus, c'est pas moi là, c'est justement Adrien qui l'a fait, qui est vraiment le fun, le sound design. Puis je pense que j'ai passé beaucoup de temps là-bas, là. On a passé pas mal de journées, on a fait tous les recoins, c'était partout, en dessous, où est-ce qu'il y a les bagages, voir ça, ils ont des c'est pas des aigles, c'est des faucons. Des faucons. Les faucons pour chasser les oiseaux, ils ont des ruches d'abeilles, en fait, on a tout filmé, on a filmé partout. Puis au final, super cool projet, le résultat pour vrai est vraiment le fun, super, c'est vraiment humain, puis on est loin du corpo là, plate, là, mettons. Ouais. Définitivement. Ben écoute, on a vu des images fixes, mais là, je pense que c'est le temps d'aller voir ton démo, puisqu'il doit y avoir une couple de monde qui veulent voir ça. Fait que on va aller voir ton démo, puis après ça, tu vas nous en parler un peu de ce qu'on retrouve comme projet dedans. Ça te va? Alright. Cool. Fait qu'on va aller voir le démo reel de Jonathan Brisbois, aka Broken Wood. J'ai rien à dire. C'est carrément. Mais justement, on en parlait. L'IA est dedans. Il y en a aussi South By. Voyons. SXM. Ouais, ça, c'était pas South By. SXM qui est Saint-Martin. SXM qui est dedans. Mais juste avant qu'on en parle un petit peu plus, là, je vois qu'il y a justement Nicolas là, qui nous harcèle sur le chat. Il faut absolument que je dise tous ses messages. J'ai des sentiments. Caroline Bergouin, il était stripper aussi. Ok. Okay. C'était pour les lights. En tout cas, bref. Nick, on t'aime. On est content que tu sois avec nous autres, que tu nous partages ton enthousiasme et tes émotions. Parle-moi un peu là, de tout ça pendant que tu le vois à l'écran, là, justement, là, ton démo, même si tu t'en souviens sur le bout de tes doigts. Il y a pas mal tous les projets là, lesquels on a parlé. Il y a du Apache et tout. Ouais, je te laisse la parole. Parle-nous un petit peu plus. Mais je sais pas trop quoi dire. à part que... C'était quoi ton objectif en montant ton démo? C'était-tu comme d'avoir 100% de la variété? Voulais-tu avoir un peu plus du style, justement, montrer à quel point tu pouvais pousser ta DP comme vraiment gros lighting? C'était quoi ton back? Ben, c'était surtout, ouais, c'est un démo reel de DP, là. Vraiment. J'ai pas mal exclu tout ce qui était événementiel, là, parce que j'en ai fait énormément. Puis, genre,
je continue à vouloir en faire, j'ai du fun à faire ça, mais je voulais pas nécessairement montrer ce côté-là, je voulais plus montrer le côté direction photo que je fais. Donc, c'est vraiment juste ça, là. C'est vraiment juste des images que j'ai eu la chance de faire sur plein de projets différents. Mais SXM est quand même un événementiel que t'es fier, veux pas. Ouais, ben tu sais, l'événementiel, j'ai fait des cool trucs, autant avec Eagle Fest, Picnic, plein d'autres trucs. Ouais. Mais c'est vrai que Saint-Martin, c'est juste visuellement, c'est assez hot, là, tu sais, quand t'es là-bas, pis tout, là, donc... pis tu sais, encore là, tu sais, même dans le Demo Reel, oui, j'ai mis quelques trucs de Saint-Martin, de SXM, mais tu sais, c'est comme du beauty shot, là, c'est pas vraiment, j'ai pas montré tout le monde qui dansait, là, tu sais, c'était pas ça le but non plus, là. Je comprends. Puis au début, c'est ça. Là, il y a des images de. L'un des premiers clips, je pense, que j'ai fait avec Nico, puis Adrien, qui était un clip de Uri, qui est super beau, là, que je suis super content de ça. Puis, mais je pense que ça a été genre, 22 heures de tournage. Wow! Avec. Pas mal de mes aventures aussi là, qui sont arrivées. Là. Notre actrice principale qui était malade à un moment donné, qui vomissait, puis on était comme, ok, on va comme arrêter le tournage. Puis on était comme, non, moi, je vais continuer. Fait que, la shot, en fait, au début, où est-ce que en rouge, où est-ce qu'elle a l'air comme vidée, là, ben, elle est vraiment vidée. Là. Elle a... on était à la 22e heure. Là. Ah ouais. Hein. Puis pantoute, là. Puis je la comprends, là, j'étais comme, mais moi, j'étais genre, ok, je pense qu'il faut. Faut rapper ça, là. Ouais, effectivement. Premier clip, vraiment, là. Premier, comme je dirais, vrai clip, là, où est-ce que... on a tout donné. Vraiment tout donné. Nice. Ben, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Tu sais, je veux dire, tu t'en as aussi, là, toi, des anecdotes, comme tu me disais, là, par rapport à la fille, mais il y en a tout le temps, là, des... Pas des bad luck, là, mais il y a tout le temps des espèces d'histoires rocambolesques, là, tu sais, Ben Jones aussi nous en parlait la semaine passée. Si t'avais... un truc comme improbable qui pouvait se passer sur un shoot auquel tu voudrais pas qu'il arrive, ce serait quoi? C'est-tu genre un bris, okay, on parle pas d'un bris de cam, mais on parle tout le reste. C'est quoi la pire affaire qui pourrait t'arriver, mettons, sur un set? Ben, je dirais que côté bris de cam, là, c'est quand même pas pire. Moi, j'ai eu quelques bad luck dans ma vie. On en a eu une récemment, parce qu'avant que tout ça arrive, ouais. Histoire de virus, on était à Saint-Martin. Et une des caméras, on a deux red, une des caméras nous a lâché. Deux jours duquel le festival commençait. Puis là, tu fais comme, ok, bon, on est dans une caméra, qu'est-ce qu'on fait? Appelle red, tout, on parle avec red. Finalement, on a réussi à dealer avec red. Il y a quelqu'un qui est allé chercher la caméra qui habitait à LA. Puis il s'en venait au festival, comme festivalier. Puis il est allé chercher la caméra, une nouvelle caméra, brand new, au HQ de Red. Il l'a ramené avec lui dans l'avion. Il est débarqué de l'avion, il me l'a donné dans les mains. On avait une nouvelle cam, on a shippé l'autre cam qui fonctionnait plus à Red. Puis on avait une nouvelle cam, puis on avait les deux cams. En deux jours, en moins de 48 heures, on a réussi à avoir une nouvelle cam sur l'île. L'affaire la plus improbable ever. Fait que c'est Red, bravo. Service à clientèle, ça coche. Ouais, service à clientèle de Red est quand même assez incroyable. Là. Ah ouais, c'est clair. Fait que, mais après ça, des histoires, il y en a tellement. Là. Puis justement, à Saint-Martin, on en a vécu des trucs. Là, parce que déjà, un, tu dors pas. tu dors presque pas parce que c'est presque 24 heures sur 24. L'année passée, on avait un party sur un bateau, moi puis Nico, puis qu'on devait shooter. Puis on était comme, on a tout shooté, qu'est-ce qu'on fait? On est pognés sur le bateau, pour s'en aller d'ici. Flag une fille qui est en petit boat, qui fait comment? 20$ par personne, je vous embarque. OK, saute dans le bateau avec l'équipement. Ciao, bye, on quitte le bateau sur un autre bateau. Il y a une couple de stories comme ça, là. Nice. Pour se rendre à ce niveau-là, t'as commencé par où? T'as fait quoi? T'avais quel cam? T'as commencé en quelle année? T'étais qui au final quand t'as commencé? En événementiel, j'en ai fait. Ça fait longtemps que je fais ça. Ça fait genre 12 ans à peu près. Là. Okay.
Puis quand j'ai commencé avec Do You Look Good. Oh, wow! Je sais pas si tout le monde connaît ça. Là. Oh, yes! Fait que j'ai commencé avec Do You Look Good. Je faisais genre des vidéos pour différents parties dans différents clubs. C'était assez douchebag. mais c'était le fun. et aussi Beach Club, dans ce temps-là, qui était owned par d'autres propriétaires. Fait que j'ai commencé avec ça. Puis après ça, tranquillement, ben. Pique-nique. Commencé avec Pique-nique. Pique-nique, j'ai commencé à faire des photos pour eux. Gratuitement, parce que c'était un concours. Puis éventuellement, c'était comment? Mais je fais de la vidéo en vie. Fait que j'ai commencé à faire de la vidéo, puis tout ça. Donc, ouais. Puis entre-temps, quand je commençais à faire toutes ces vidéos de club, des affaires-là, ben, je commençais aussi à travailler sur les plateaux, comme assistant de prod. J'étais surtout avec une gang qui s'appelait Voyou Film, qui s'appelle maintenant Voyelle, qui est Ménaïque et Gab. Mm-hmm. Et c'est comme mes mamans du cinéma, je dirais. C'est eux qui m'ont vraiment... pour vrai, ça a commencé juste en... J'ai envoyé un email. J'ai regardé Musique Plus. J'ai regardé c'est qui la prod qui avait fait le clip. J'ai envoyé un email. 3 semaines plus tard, je recevais une réponse qui disait comme « Ouais, tu veux venir aider? Ok, ben, viens faire un stage, genre d'une journée. » Puis de là, ça a commencé de même, tu sais. Sur les plateaux, en tant que tel. Fait que du gros hustler, là. Toi, t'en as strippé, là, des génériques de patente, là. Au début, ouais, ben, t'es comme, t'es genre 19 ans, là, t'es comme, let's go, ouais. Là. T'es comme, là-dedans? Comment je fais pour rentrer là-dedans? Je connaissais personne. Je connaissais zéro, là. J'avais pas de famille là-dedans ou quoi que ce soit. Donc, c'était vraiment comme envoyer des emails, puis jusqu'à temps que quelqu'un fasse, OK, ben, on va te donner la chance, puis après ça, ben, écoute, tu donnes, puis let's go, là. Puis après ça, puis même en fait, même les trucs d'événementiel, je me rappelle, j'avais envoyé un email à je sais pas, une compagnie qui travaillait là-dedans, puis j'avais une grande gueule, là. Ouais. Je leur disais, vos vidéos, c'est de la merde. Puis je peux faire mieux. J'avais jamais fait ça, là. Wow, okay. Puis la journée qu'ils ont fait, genre, OK, ouais, ben, viens prouver. J'avais une GL2, puis j'avais même pas Final Cut Pro. Puis j'étais allé pogner un prêt à la banque. Puis j'ai pris un prêt de 2000$. J'suis allé chez Apple, j'ai acheté Final Cut Pro pour 2000$. Puis j'ai dit, bon, ben, ça commence maintenant. Wow, OK. Ouais. Puis de là, après ça, j'ai commencé à en faire plus. Ça, c'est du hustler comme j'ai rarement entendu. Ouais, j'étais grande gueule, par exemple. Là, j'étais comme ben confiant. Là, ben, là, genre comme, non, je peux réussir. Je suis le meilleur. Non, tu sais. Mettons que je suis moins grande gueule. C'est bien d'être confiant dans la vie. Là, pis, ouais. Mais à un moment donné aussi, c'était comme différent. Là, vraiment, c'était comme au point de dire, genre, pourri ce que vous faites, mais j'avais rien pour me backer. Là. Ouais, ben écoute, ça a payé, somehow, ça a payé. Ouais. Ouais. Nice. Ben écoute, moi, je t'encourage à en parler au plus grand nombre de monde de cette histoire-là, parce que, tu sais, puis ce qui va m'amener à ma prochaine question, mais c'est, on dirait tellement que le monde se met des bâtons dans les roues pour faire de la prod, malgré juste parce qu'ils n'ont pas d'expérience ou ils n'ont pas justement le guts d'essayer ou de faire des affaires. Puis je trouve ça hot que t'en parles parce que, man, je veux dire, OK, outre le fait de mettre 2000$ sans nécessairement avoir à se backer, là, mais juste le fait d'être comme out there puis d'essayer, même si c'est pas la coche là, c'est clairement l'expérience au fur et à mesure que t'as acquis qui t'a amené où est-ce que t'es. Fait que c'est hot. C'est ouais. Vraiment une nice. Moi, je me souviens que il y avait du monde d'expérience qui me disait, ben, va shooter, va faire les erreurs, plante-toi. Puis j'étais comme, ben non, je veux pas me planter, je veux réussir dans la vie. C'est que t'as genre 19 ans. Ouais. Puis pour vrai, genre, c'est la meilleure façon, là. Plante-toi, essaye-toi. Tu va te planter sur des petits projets, des affaires-là. Puis essaye des trucs, puis fais comme, ok, ben ça marche peut-être pas ça. Puis tu vas apprendre 100 fois, là. Puis justement, par rapport à cette expérience-là, toi, tu n'avais pas d'expérience qu'on va dire clairement comme académique avant. Toi, tu es arrivé, tu voulais faire ça, puis d'attir. La seule affaire, en fait, depuis, au secondaire, tu sais, j'étais vraiment le gars de vidéo. Là, je faisais des vidéos de skate, des vidéos de snow, pas mal. Ouais.
Puis fait à ce moment-là, au secondaire, si quelqu'un avait besoin d'une vidéo, c'est genre clairement qui venait me voir. Après ça, à part avoir... j'ai été au cégep en cinéma, mais après ça, j'ai jamais fait après ça l'université ou quoi que ce soit. Ça a été vraiment genre apprendre par soi-même et sur les plateaux, puis de plus en plus. Puis je te dirais, c'est côté DP, ma compréhension de la lumière a beaucoup évolué, puis j'ai beaucoup appris peut-être dans, je dirais, les trois dernières années. Ah ouais? Pourquoi? Pourquoi voilà. Exactement? Je sais pas. Je pense qu'avant, je focussais beaucoup sur l'aspect docu. Tu sais, faire de l'événementiel, c'était ça aussi pour moi. Là. C'était faire du documentaire slash du vidéoclip. Puis tu contrôles pas vraiment ta lumière. Tu contrôles un peu ta lumière à savoir comment... Okay, le stage est là. Ça va backlighter, ça va être beau. Mm-hmm. Mais tu sais... Quand il faut que tu planifies, tu fais ta pré-prod et tout, puis après, puis de savoir comment on va utiliser telle lumière, on était à tel endroit, on a ça à faire. On a été dans les dernières années. Je sais pas, peut-être si en même temps que j'ai acheté ma première Red, I guess que ça allait comme aider à voir les subtilités d'éclairage, c'est de savoir pourquoi tu mets tel type de diffusion à tel endroit. Mais ouais, c'est vraiment juste comme les dernières années où ça a évolué là, un peu plus pour moi. Puis il n'y a pas rien de spécifique, ça a été plus le fait de justement faire du try and learn au final, là. Ça a été de tester. Je pense que ouais, puis tu sais, c'est sûr que j'ai commencé à voir les résultats puis à faire comme ah, ok, hein, ben oui, tu lighté, un peu backlighté ici, en ramener un peu plus par là, ben ça fait vraiment la différence, tu sais. Peut-être qu'au début, quand tu shootes avec une 5D, tu le vois moins, puis à ce moment-là, tu fais comme « Ah non, mais tu te concentres plus sur comme ce qui se passe devant la caméra, tu sais, l'action, quoi que ce soit. » Ouais, c'est ça, ton frame, tu sais, puis je pense qu'avec le temps, à un moment donné, tu sais, c'est pour ça que maintenant, même en documentaire, puis même certains trucs d'événementiel qu'on fait, on essaye de contrôler notre lumière le plus possible, même si on est une lumière naturelle. Tu sais, c'est vraiment comme, regarde, on a juste des reflots, c'est correct, on va faire ça, on va shooter dans telle direction, tu sais, puis ça fait la différence, là, surtout en documentaire, là, de pouvoir faire ça, là, au juste. Tu sais, documentaire, c'est super important, le contenu que tu vas avoir, ouais. Mais je pense que côté, tu sais, il y a possibilité, là, de faire du beau. De plus en plus, tu le vois, là, aussi, avec, genre, des trucs de Netflix, là, puis genre, Chef Sable, là, tu sais, c'est comme, c'est du docu, mais... God damn que c'est slick, là, tu sais, pis c'est ouais. Beau. Pis tu sais, il y a une raison, là, tu sais, c'est pas juste parce que la caméra est turn on, pis that's it, on shoot dans telle direction. Ouais, c'est ça, t'as ton quelque frame, chose qui est fait à l'image. Ouais, 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 clairement, ouais, clairement. Mais ça reste du docu. Ben, on va peut-être pas aller voir du docu tout de suite, mais là, on va aller voir un clip que t'as fait justement avec l'IA qu'on a vu dans le démo, qu'on a vu dans les stills, mais là, on va la voir bouger. Fait qu'on va aller regarder ça. Le nom du clip, c'est l'IA Out of Control, qui est le vidéoclip qui a été fait par toi. Et puis le réal, c'était-tu encore Adrien? Ben, c'était les deux là, c'était lui puis moi, en fait. Nice. Bon, ben, voilà. Donc, le clip l'IA Out of Control des deux chums. Donc, on va aller voir ça. Walking on a path, following the crumbs you leave, hoping that you're gonna come to scoop me up and then we'll run. I've been going for so long, and it's starting to get dark. I know a chill is gonna come and leave me shivering all alone. Thank you.
color everything in white. Sanitize your manners so that I don't stand a chance. Romance and rudimentary fantasizing. Rules revitalize a heist of sanity and peace inside me. Gravity won't hold me steady no more. C'était, de loin, l'un des plus beaux clips de l'IA ever. No joke. No joke. Moi, la première fois que je l'ai vu, je te l'ai dit, là, je niaisais là, en début. Là, moi, je, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme... C'est, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Ça, ça match avec tout. C'est, ça match avec le message, ça match avec... Bref, hein, m'éterniserai pas là-dessus. C'est vraiment un maudit beau clip, vraiment. Mais c'était son premier clip là, de sa poche aussi là. C'est quand même une artiste émergente qui j'espère va faire des grandes choses là. Pour vrai, tout ce qu'elle fait est super intéressant, super côté musique, puis en plus les collaborations. On vient d'en faire une avec Robert aussi là, qui est incroyable. Okay. Puis fait que c'est son premier clip, puis on a voulu aller un peu dans du weird. Puis c'était 3 jours de tournage. Qu'on a comme divisé un peu. Il y avait une qui c'était l'église et l'appart. Il y avait une journée en studio, puis une journée dehors. Ok. À genre moins 30. Il faisait comme. Ben, le matin, il faisait vraiment froid. Puis, ah ouais. Mais tu sais, comme les shots de l'appart, il faisait déjà soir. Là, c'est des 1.8 qui kick dans les fenêtres là, pour donner l'impression que c'est de jour. Là. Puis c'est assez incroyable là, quand déjà la motivation des gens sur ce clip là est juste incroyable là, je veux dire Erika qui s'occupait aussi de la prod là-dessus a trouvé un million de trucs pour rien, tu sais, on avait l'idée de voir là comme au début quand elle est comme dans une espèce de grosse piscine de lait un peu. Ouais. C'est comme, OK, on fait ça comment? Puis là, finalement, on réussit à trouver une de nos amies. Elle avait une énorme piscine comme gonflable qui est utilisée à mural, en fait. Puis le monde, ils ont des gros ballons gonflables là-dedans actuellement. C'était comme, bah, j'ai ça, je pourrais vous le passer. Comme, OK. Puis là, gonfle ça. Remplis ça la journée longue d'eau. Puis là, t'essaies de mettre de l'eau chaude, mais il n'y a plus d'eau chaude à un moment donné. Fait que l'eau est juste froide. Ouais, oh my god. T'ajoutes du lait un peu là-dedans. Fait qu'elle, quand elle embarque là-dedans, elle est comme, OK, c'est extrêmement froid, là, parce que t'es dans un gros studio, puis c'est l'hiver, puis je veux pas s'échauffer, mais ça reste que l'eau, elle sera pas. C'est pas un bain, là, tout cas. Là. Non, c'est clair. Fait que. Puis de l'eau, c'est régler la caméra au-dessus. Avec un énorme zoom, je me souviens plus c'était quoi le zoom là-dessus, mais
Fait que c'était quand même ouais, 3 jours de tournage avec bien du monde qui ont donné beaucoup de leur temps, puis qui étaient super motivés pour faire ce projet-là, puis au final, qui a donné vraiment un résultat super cool. Là. Ouais, c'est vraiment. Je pense qu'on a eu bien du fun là-dessus. Là. Vraiment, ouais, puis, c'est... Ouais, ben déjà, tu le vois, l'IA s'est donné à fond aussi, là. Ouais. D'être dans... d'être pas mal nu dans une espèce de piscine, après ça, de se faire peinturer la face rouge. C'est très esthétique, là, comme projet. Puis, ouais. C'est qui est arrivé avec, disons, l'idée du concept derrière? C'est-tu vraiment... Les deux, vous l'avez fait en même temps? Vous êtes venu, tu sais, vous en avez parlé. C'est l'IA qui est arrivé avec une simili idée. C'était quoi le process? Si je me souviens bien, l'IA, je pense que l'IA m'avait approché pour okay. faire le clip. Puis j'étais super intéressé. Mais encore là, j'étais comme, ça me tente pas de faire ça tout seul. Ça va être mieux pour le projet s'il y a quelqu'un d'autre qui vient épauler ça. Puis bon, ben, je travaillais souvent déjà avec Adrien, donc on a décidé d'arriver ensemble. Je pense que si après ça, on voulait juste faire un truc esthétique, fait que c'était vraiment de... On avait déjà certaines idées en tête de qu'est-ce qu'on aimerait voir. Puis de là, on a comme juste mergé ça ensemble, puis ça a donné différents tableaux. T'sais, on savait, elle voulait de la danse, me semble, ou je pense que c'est Adrien qui voulait de la danse. Fait qu'on savait qu'on voulait avoir des danseurs là-dedans. Fait qu'on a juste comme établi différents tableaux. Où est-ce que ça allait se passer? Comme l'affaire des mains, on était comme, ok, ça serait vraiment. Le monde est arrivé de même. Ce serait cool qu'il y ait plein de mains. Puis on était comme, ok, comment on peut faire ça? Est-ce qu'il y a vraiment, genre, on va-tu avoir 8 personnes autour? Puis ça va se faire, tu sais? Ça se fait-tu, ça? Puis t'es comme. Non, ça se fait pas. Fait qu'en fait, c'est juste comme 3 shots mis ensemble. Fait que, ouais, puis après ça, l'idée, ouais, je pense que c'est vraiment comme, tu sais, de regarder des mood boards, puis faire comme, ok, ça c'est vraiment cool, puis ça on aime ça. Faisons un tableau comme ça. Clairement, l'idée d'avoir du chien, puis ça c'était moi, là, j'étais comme, mon chien doit être dedans. Ben oui, la signature. Ben oui, c'est clair. Ben. Fait que. Ouais, mais c'était vraiment le fun à faire. C'était vraiment. Puis c'était aussi. Pour. Tu sais, j'en faisais pas tant des clips. Donc, c'était. Pour moi, c'était comme une bonne école aussi pour essayer différents trucs. On s'est fait vraiment épauler là-dessus. C'est ça, c'était Hugo Roy qui nous a passé les lumières et ses fan clubs nous a passé comme beaucoup, beaucoup de gripping, là. Mm-hmm. Pour vraiment pas grand-chose. Puis, tu sais, quand t'as tout ça à ta portée, pis t'es genre. Non, ben on va s'amuser. T'sais, après ça, c'est juste la seule affaire qui manque, t'sais, c'est du manpower. T'sais, ouais. Pour peut-être réaliser certains trucs. Mais au moins, t'as comme plein de jouets, pis t'es genre, ok, ben on va essayer de jouer avec ça. Qu'est-ce que ça donne? Ok, si on fait ça, si on fait ci, t'sais. Fait que c'était comme une bonne école, si on peut dire, pour apprendre ce clip-là. Sans nécessairement attribuer le succès de cette prod-là à un élément, mais si je te demandais pour toi, d'un point de vue de la direction photo, l'élément qui a été le game changer dans cette prod-là, t'en as-tu une qui te vient comme ça en tête? C'est dur à dire. Mm-hmm. Je sais pas. C'est vraiment genre. C'est des tableaux qui sont tous un peu vraiment différents l'un de l'autre. Tu sais, je veux dire. Le studio, ben, t'étais en studio, puis c'est une grosse diffusion au-dessus, puis après ça, quand t'es à l'église, ben, l'église, il faut que tu sois là à bonne heure, puis qu'il fasse soleil aussi, là, ouais. Pour avoir ce que t'as besoin. Mais même là, on savait que le soleil, où est-ce qu'elle est passée, puis on s'est fait avoir un moment donné, tu sais, puis il a fallu comme y aller rapide là, là-dessus pour trouver une solution. Mais c'est tout quand même des setups assez différents. Je pense que ce qui fait la différence après ça, c'est juste ton scouting, là. À savoir quand tu y vas, à savoir bon, qu'est-ce que ma lumière fait, qu'est-ce que le soleil fait, ça va être un endroit, ok, bon. C'est assez important, là, tu sais, pour. Mais après ça, quand t'es en studio, un studio, c'est un studio. Puis pareil, là, pour dehors, c'est le scouting. Ouais, définitivement, parce que toi, ce que tu veux. Mais sinon, le truc, probablement le truc qui vient donner un style à ce clip-là, c'est l'utilisation du zoom. Là. Parce qu'on l'utilise, le zoom, une couple de fois.
Puis ça a permis d'être plus rapide aussi, surtout au lieu de changer de lens à chaque fois. C'était comme, ok, parfait, zoom in, parfait, ok, on est bon, let's go. C'est en plus ça, là. Puis on l'a utilisé quelques fois, l'effet zoom in. Peut-être moins, on l'a coupé une couple d'endroits, là, mais ça a quand même été utilisé. Nice. Ben non, j'avoue que j'avais pas pensé. Tu sais, je sais qu'il faut qu'il y ait des dolly et tout, mais j'avoue que comme là, ouais. Ah, ok. Ouais, ça c'est un zoom out. Il y a d'autres trucs comme ça. Est-ce que c'est. Il y a des slow zoom dehors, quand le visage est rouge. Ça aussi, ça c'est un slow zoom. Ouais, ça lui donne un nice look, vraiment. Ouais. Puis on s'est comme. Je pense que tout le long qu'on tournait ça, on savait pas si on allait faire ça en 4-3 ou en 2-35 ou en 16-9. T'sais, on était comme. On n'était pas fixé encore, on était genre, ok, qu'est-ce qui va être le mieux? Puis. On s'est juste dit, comme, ok, ben. Make sense. On va essayer de framer un peu pour tout, là, quand ouais. même. Non, on savait que. Non. À un moment donné, on a eu la décision de, comme, ok, certains trucs vont être 4-3. Puis, mais on savait pas trop exactement comment on allait l'intégrer ensemble. Puis à un moment donné, on a juste, au montage, on a comme trouvé ce truc-là de. C'est juste, des fois, comme, le mettre un par-dessus l'autre, des fois, de juste avoir du 4-3, des fois, c'est. Juste de jouer avec ça, puis ça a bien marché. Ouais, vraiment, ça s'imbrique vraiment. C'est drôle que tu me dises que tu savais pas nécessairement avant le show, parce que moi, dans ma tête, c'est comme, ah, c'est clair que ça a été réfléchi, comme, ça a été la première affaire à laquelle ils ont réfléchi. Là, ben, je pense que, il me semble de mon souvenir, on n'arrivait pas à se décider. Je pense qu'à la première journée du tournage, on a fait comme, ok, ce type de shot-là, esthétiquement est plus beau en 2.35, donc on va vraiment le faire en 2.35. Puis certains autres shots, on savait que ça allait être du 4-3. T'sais. Après ça, je pense que c'était surtout une question de comment on allait l'intégrer ensemble. Là. On n'était pas sûr, est-ce que c'était juste vraiment en 4-3, 2.35, 4-3, 2.35. Ou comme là, on a fait de l'appliquer sur. Des fois, c'est du 4-3 qui était appliqué sur le 2.35. Puis... T'as-tu un conseil? Parce que tu dis. Ce shot-là va mieux looker en 4-3 ou en 2.35. T'as-tu un conseil pour le monde justement qui veulent peut-être essayer de commencer à jouer avec d'autres formats que juste le classique 16-9 là? T'as-tu quelque chose à laquelle est-ce qu'on n'aurait pas pensé que toi finalement, vu que t'en as fait plus d'une fois? Juste oui, ok, peut-être les markers, mais autre chose, mettons. Non, mais tu sais, je pense que l'affaire qui est importante, c'est peut-être juste de. Pas essayer de faire du 4-3 juste parce que c'est trendy. Hein. Je veux dire, il faut que ça respecte un peu ce que tu veux faire, ce que tu veux montrer. Vraiment, là. Tu utilises ça pour montrer un certain. En tout cas, pour framer puis ce que tu veux vraiment montrer. Là. Mais c'est comme ça, 16-9, on savait que ça allait être plus beau esthétiquement. Pas 16-9, 2-35. Mm-hmm. De le faire en 2-35. Donc. Mais non, il n'y a pas vraiment de conseils là, à part de juste de bien l'utiliser puis et de ne pas le surutiliser non plus. Ouais, parce que si on faisait, mettons, l'over-analyse de ce clip-là, il n'y aurait pas de message mystérieux de pourquoi est-ce qu'on a mis ça en 4-3 à ce moment-là versus le 2.35 à ce moment-là. Non, le 4-3, on l'a surtout gardé quand c'est en portrait, là, sur elle. C'était Makes là sense. Que ça... Make sense, parce que je me suis dit peut-être que vous étiez full Illuminati, là, puis que là j'aurais passé ma soirée à faire des trucs mathématiques. C'était vraiment juste. C'était très purement esthétique, puis ça, c'était vraiment quand on était sur elle, là, qu'on le mettait 4-3. Là. Nice. Ben, ça va nous amener justement, on va passer du clip au monde de l'événementiel un peu plus avec SXM. On en a parlé, donc on va sauter directement dessus, puis on en reparlera de l'autre bord du clip. Donc, SXM, Joe Brisebois avec une belle gang de joyeux lurons. Transformation of human consciousness through meditation. We get this strange feeling that we have never had, you see, in our lives. Except occasionally by accident, some people get a glimpse that we are no longer
this poor little stranger and afraid in a world it never made. But that you are this universe. Consider time as officially ended. La prod, elle dure quand même un gros 5 minutes, c'est ça que tu me disais, right? Ouais, je pense que c'est comme 5 ou 6 minutes. Là. Ouais, fait que là, en ce moment, ben, on est back, mais vous pouvez quand même continuer à regarder les images là, qui volent en arrière. Mais moi, puis Joe, justement, on jasait de la prod en tant que telle là, pendant qu'on était sur mute. Puis Joe me disait, dans le fond, que c'était, ben, comme il l'a dit tantôt. Gros party, 24 heures sur 24, du monde super sympathique, puis un mandat qui a amené plein d'autres choses. Fait que Joe, parle-nous de SXM, ça a l'air complètement malade. En fait, Julian Prince, qui est comme un des owners, okay, qui m'avait approché pour ça. Fait que j'étais assuré qu'il fallait une équipe. Puis, donc de là, ben, j'étais allé chercher les gars de RBCDF, Lucas, Olivier, puis je te dirais que je vais inclure Loïc là-dedans. Là. Ben oui, le troisième mousquetaire. Ouais, qui est comme dedans, mais pas dedans. Parce que je savais qu'il y avait déjà l'expérience de tout ça, pour l'expérience d'être dans des situations comme ceux-là. Puis, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. C'était la première fois. Tu sais, dans un sens, on est quand on faisait un peu le même travail. On faisait chacun de l'événementiel. Fait qu'on était un peu compétiteurs, mais en même temps, je pense qu'on avait juste beaucoup de respect pour chacun pour l'autre. Mm-hmm. Fait que de là, on est parti, on est allé là. Puis en plus, eux, ils ont embarqué là-dedans. Puis écoute, là, je veux dire, nous, on était comme, OK, on va acheter ça. En red. Les gars n'avaient pas de red. Je leur ai dit, si vous voulez venir, vous devez vous acheter une red. Zéro peer pressure. Mais là, ça faisait genre des années qu'il y avait la même caméra puis qui était dû pour changer. Là, puis c'était comme, regarde. Fait qu'ils ont acheté une red. On est allé là. On est allé les deux. On a amené des CP2. On a amené quand même pas mal de trucs. Puis
ils ont dit oui, ils ont embarqué, puis pour être, ils n'avaient pas énormément d'argent. Le festival est le fun, mais ils n'ont pas la production, ou ils n'ont pas les budgets nécessairement des plus gros festivals. Mais ils ont quand même, ils ont quelque chose qui est incroyable, qui est à eux. Fait que on est parti là, en sachant qu'on n'allait pas dormir beaucoup, on n'allait pas faire beaucoup d'argent vraiment, mais qu'on allait avoir du fun, puis que c'était vraiment ça. Let's go, on va avoir du fun. Puis ça a été vraiment... ça a été comme une révélation, je pense, là, de travailler ensemble. Il y avait comme une énergie où est-ce que chacun avait vraiment... chacun savait ce qu'il y avait à faire. Fait que t'avais Luca, qui était comme le master du montage. Il montait toute la nuit, donnait un recap le lendemain, puis il y avait des daily recaps à faire, qui était incroyable. T'avais Loïc qui faisait genre... des trucs incroyables côté drone, côté timelapse, puis en plus de ça, qui est comme un master côté motion, fait que ça venait ensemble. T'avais Lee qui allait faire genre, qui est juste un warrior qui va shooter, qui pourrait shooter 24 heures non-stop, là. Puis après ça, il y a moi, puis Nico, on travaille ensemble, puis on va chercher des gros beauty shots. Puis juste les cinq ensemble, c'était comme. Le résultat était juste incroyable. T'sais. Puis le monde là-bas, je pense pas que dans les autres années d'avant, c'était pas, leur équipe vidéo était pas autant organisée que nous on était. Donc il y a eu vraiment une grosse différence. Puis je pense que tout le monde a trippé. Puis de là, on a rencontré plein de gens. On a rencontré des gens, une bonne amie, Amira, qui est allée travailler avec Lune Rouge, qui faisait la pyramide, puis Y1. Ouais. Fait qu'après ça, on a fait des trucs tout l'été avec PY1. Fait que ça nous a apporté, genre, comme... Tu sais, un projet qui était... qu'on l'a fait pour le fun de le faire. Tap. En se disant qu'on allait triper. Puis au final, tu sais que tu t'en vas pas là pour l'argent. Tu t'en vas pas là pour faire du cash, là. Non. Tu t'en vas là pour avoir du fun, mais au final, ça... super bien payé, parce qu'on s'est retrouvé avec d'autres contrats qu'eux, finalement, avec plus de budget. Mm. Puis, je pense que c'est aussi l'important là, de faire des projets, des fois, qui ramènent peut-être pas l'argent, tu sais, c'est important. Je comprends qu'il faut vivre, là, puis il faut faire des projets qui payent des corpos, mais, tu sais, les vidéoclips que je fais, c'est pas un, là, que j'ai fait de l'argent là-dessus, là, tu sais, c'est du temps... de moi-même, mais c'est souvent ces projets-là, par exemple, qui vont chercher les gros projets qui payent. Puis, je pense que c'est toujours, à chaque année, je me donne au moins deux ou trois projets qui sont pas très payants, mais qui sont carte blanche côté créativité. Le CXM, on est arrivé, on a fait, on va faire ça, laissez-nous aller, dites-nous pas quoi faire, puis vous allez voir, les résultats vont être incroyables, puis ils nous ont fait confiance à 100%, ils ont fait comme nous, on vous fait confiance, faites ce que vous voulez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous nous laissez savoir. Let's go. Hmm. Puis d'être là, ben, ça a donné un résultat. T'sais. Ça step up le game là, là-dessus. Penses-tu que c'est un des facteurs justement qui a fait en sorte que c'était une belle prod? T'sais, oui, la confiance, mais le fait justement qu'ils ont. C'est pas juste la confiance aveugle, c'est aussi si t'as besoin de quoi, let me know. T'sais. C'est deux. Ben, bon, c'est... oui, puis c'est sûr que eux étaient là pour nous backer. En même temps, c'est. Pas facile des tournages dans des endroits comme ça, je dirais. T'sais, Saint-Martin, c'est très très smooth là, le vibe là-bas. Fait que quand t'es habitué que t'es genre tout est comme organisé et tout, ben t'sais, ça se passera pas exactement comme ça. Là, ouais, là c'est comme yeah. Ouais. Ouais, t'sais, fait que tu vas avec le flow, puis il y a ben des trucs, t'es comme oh, on a besoin, on aimerait ça aller filmer là-bas, puis on a besoin de modèles ou quelque chose, quelqu'un. Prends cette personne là, demain ils vont être là. Demain ils vont-tu vraiment être là? Tu sais pas trop. Tu fais OK, on va se prendre un plan B, plan C au cas où. Ouais. Mais tu sais, ils étaient là pour nous backer. Puis encore là cette année, ils nous ont bien backé, ils nous ont toujours super bien traités. Fait je pense qu'ils savent là aussi. Là, ils sont comme on est. Puis ils savent qu'on n'est pas là pour essayer de faire de l'argent sur leur dos, mais aucunement. Tu sais, on le fait. Pour le gros fun de le faire, puis surtout les cinq ensemble, maintenant qu'on se connaît encore plus, puis qu'on est des super bons amis, c'est presque des vacances. C'est juste que on dort pas beaucoup, mais on fait plein de trucs créatifs. T'sais, on mixe notre amour de, I guess, de la musique, parce que je veux pas, faut que t'aimes ce style de musique-là pour être là. T'sais.
si tu te fais chier avec ça, tu vas te faire chier longtemps. Avec notre amour pour l'image. C'est de juste faire des trucs créatifs. Puis, ouais, ça, au bout du compte, ça va ramper. Puis, tu vois là-bas maintenant, tu sais. On connaît bien les gens de la place. On a des projets avec l'Office du tourisme maintenant qui embarque. Fait que ça a amené d'autres trucs. Là. Puis, je dirais que la plupart des projets que je fais qui sont moins bien payés, mais qui me laissent la liberté créative, ben au final, je vais chercher genre 2-3 projets qui repayent super bien. Puis je les ai probablement eus parce que telle personne a vu tel projet. Ouais. Puis j'ai pas vraiment fait d'argent là-dessus, tu sais, mais j'ai eu la créativité de pouvoir faire ce que je veux. Ce qui fait qu'après ça, ben, je peux faire un projet qui paye, qui a du budget. Puis en plus de ça, ben, il me laisse la créativité parce qu'il voit bien que ça vaut la peine, tu sais. C'est all-win. All-win à ce moment-là. Là, ouais, vraiment. Exactement. Mm. C'est de donner de ton temps sur quelque chose. Passer de regarder, puis gagner ailleurs, tu sais. Penses-tu que tu parlais tantôt le fait d'avoir des passion projects, est-ce que tu considères que c'est un des conseils que tu donnerais à toi quand tu as commencé à 19 ans, 5 minutes avant que tu aies acheté ton Final Cut Pro à 2000$, mettons? ouais, je pense que tu sais, si j'aurais pensé, si je me serais dit, mettons, dans 10-12 ans, tu vas continuer à faire des projets gratuits. De temps en temps, j'aurais fait comme ben voyons, dans les poches. Mais pour vrai, j'ai aucun problème. J'ai du fun à donner de mon temps sur des projets créatifs. Puis tu sais, faut pas non plus. Je pense qu'il faut pas être stupide avec ça non plus. Là, je veux pas nécessairement aller donner de mon temps gratuitement sur une pub. Qu'un client en arrière qui a de l'argent. Là, t'sais. Je vais aller donner mon temps sur un projet ou est-ce que c'est pour un artiste qui n'a pas tant de sous, mais que t'sais, que j'aime ce qu'il fait et que j'encourage de faire comme ben oui, c'est sûr que t'es j'embarque puis je vais t'aider là-dedans. T'sais. Fait que, à un moment donné, t'sais, je dis pas qu'il faut travailler gratuit dans la vie là, non. Genre essayer de voler des gigs à quelqu'un d'autre en voulant que cote tes prix, là, ça c'est pas ça la game, tu sais. Mm-hmm. Mais il y a une grosse différence entre vouloir donner ton temps et être créatif pour quelqu'un qui l'est aussi puis qui a pas nécessairement le budget, puis de dire oui à n'importe quoi puis donner ton temps sur un projet où est-ce que c'est backé par un client qui a des millions en poche là puis qui est juste radin, là, t'sais. Ouais, je comprends. Non, ça c'est clair. Est-ce que si tu avais, admettons, ça a peut-être rapport avec cette prod-là, peut-être pas, qu'est-ce que tu trouves le plus satisfaisant versus le plus difficile par rapport à la prod en général ou par rapport à ton poste de directeur photo? Sais-tu, tu sais, ce que tu trouves peut-être le plus satisfaisant, c'est tout ce qui est la prod, puis une fois que tu es sur le set, ça go with the flow? Y a-t-il quelque chose que tu trouves plus difficile? Ce serait quoi, mettons, tes deux extrêmes, là? Ben, le plus fun ou le plus satisfaisant, c'est clair, ça doit être quand tu tournes. Mais ça dépend encore, tu sais, ça dépend vraiment de... Tu sais, tourner un truc plus de fiction, ta pré-prod est genre hyper importante, là. Et hyper, hyper importante. Puis c'est ça qui va faire que ça va bien aller ou pas sur ton plateau. Quand tu fais un truc un peu plus dans un style de cul, tu te prépares, tu sais... Mais après ça, c'est vraiment sur le terrain, puis t'es comme, OK, let's go, puis tu vois des trucs, tu fais comme, hey, OK, je viens de voir telle affaire, on devrait le faire. T'sais, là, c'est là que c'est le plus le fun. Mais je sais pas, tu sais, ce que j'aime moins, mettons, il y a pas... Ouais, peut-être, ouais. Il y a pas... Ben non, il y a rien, tu sais, je pense que ça fait partie... Faut que t'apprennes un peu, ben, je sais pas. Je sais pas quoi répondre à ça. Non, mais c'est bien correct. Tu sais, gars, moi, ce qui m'écœure, c'est les crafts avec les sandwichs pas de croûte. Tu sais, ça m'en prend pas gros pour flipper. Non, c'est pas écoute, vrai, c'est sûr qu'un craft de mauvaise qualité. Ouais. C'est non. Ça, c'est un truc depuis le début, les projets que j'ai réussi avec Adrien. Ouais. Comme premier truc qu'on s'avait dit, c'est comme OK, y a pas l'argent. Mais le craft. Mais il faut que le craft soit hot. Si le craft est pas hot, là. T'sais, on va jamais garder notre monde vont faire genre c'est de la merde ici, on s'en va, tu sais. Fait que ça a toujours été vraiment primordial d'avoir un craft
qui a de l'allure, puis qui, tu sais, qui est bon. Puis pour vrai, 100% d'accord. Hey, guys, là, c'est... quand t'as pas d'argent, là, le craft, là, c'est ça qui va keep going ton monde. Là. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Fait que fini la pizza grasse de la pataterie du coin, là. Faut que ça soit de quoi un peu plus substantiel. Non, là, faut que ouais, exactement. Faut que ça soit plus santé, mm-hmm. là, ouais. On va aller tout de suite à la prochaine prod qui est, la qualifierais-tu d'un docu pub? C'est Aldo. C'était comme un genre de projet, ouais, un peu behind the scene. C'était vraiment weird. C'était comme un peu behind the scene de photoshoot, mais monté à un autre niveau où est-ce qu'on mettait de l'avant les acteurs de tout ça, les, autant les modèles que les photographes que les stylistes, pour leur donner... leur donner une voix, je dirais. Ouais. Ça a été réalisé par Max Charon, This Is Heard. Puis, ouais. Puis encore là, sur, on a été à New York, on a été à Londres. Puis, attends. Non, le gars, il a pas voyagé pantoute pour la prod. T'sais. Il est resté à Saint-Basile-le-Grand. Là, puis voilà. Non, mais je vois du monde qui voyage bien plus que moi. Là. Guillaume Baudouin, quand tu regardes ses trucs, c'est comme. Ouais. Ah, ok. Ouais. Ouais. Okay, lui, il est comme une autre coche. Là, ouais. Lui, il est dans la stratosphère du voyage. Ouais, Ben, cool. Écoute, on va aller regarder ça, Aldo, tout de suite. Puis on se revoit ben, après la vidéo. I think what's special about New York right now is how rebellious it is, yet also how loving it is. We're not commercial, we kind of like take risks, and I think that just having that kind of like rebellious attitude, which I feel like we all have in London. We're Canadian, so we're, I don't know, the underdog. We keep surprising the world. To me, success means independence, freedom to do whatever you want. I kind of live like literally day by day. I'm like, okay, what's the bigger, what's the better? Failure is not an option. Failure is just your way of reaching the top, you know, climbing the ladder. Yeah, that's it. I kind of get really caught up in the stressors sometimes of like following your dream. And I think it's important to know that it always gets better. Work on this campaign, it's really nice because I'm from like the LGBTQ community and like, you know, it mixes up with hetero communities and just brings everybody together. And can't wait to see a world where everything is equal for everyone, doesn't matter what color you are. My biggest source of happiness is my loved ones right now. I couldn't have gotten this far without my community. They've gotten me opportunities, been my support system. I'm very positive, uplifting, always trying to find a way to lift someone up. If you believe in something, or you're happy about something, or you have something good to say, say it. If you don't have nothing good to say, don't say it. Well, we are the future. We need to speak up. We need to say things to have an impact in our future because we're the ones who are going to be living in it. We are the ones who need to change it. Sorry. Moi, quand j'ai vu ça, juste au niveau de la réal, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'habituellement, c'est comme juste « Yeah, click, click, snapshot, personne qui look cool. » Puis après ça, boum, on switch à un autre. Là, c'est comme... C'est rare que tu les vois comme te jaser. J'ai comme fait « OK, wow, c'est plus qu'un mannequin, genre. » Ben ouais, ben c'est Max là, qui je pense qui est arrivé avec ça. Puis c'est tout son côté... Il est fort là-dessus, là. C'est tout le côté documentaire. Max, il a fait quand même des trucs aussi avec Red Bull Academy. Puis là-dessus aussi, j'avais shooté avec lui. Puis c'est quand même pas mal où est-ce qu'il s'en va. Puis quel contenu qu'il veut aller tirer du monde. Puis pour vrai, pis ça, c'est le fun de travailler avec lui parce que pour vrai, j'ai jamais de pressure vraiment. En tout cas, moi, je le file moins, là, tu sais. On est comme. Puis encore là, t'essaies que ça soit organisé, mais c'était. Surtout ce shoot-là, en fait, c'était beaucoup organisé pour le photo shoot. Puis nous, on était un peu comme l'équipe à côté. Ouais. Puis là, t'as fait d'aller tirer un peu plus de trucs, tu sais. Puis on était pas vraiment supposé d'avoir tant de temps pour filmer les modèles, tu sais, faire les shots vraiment avec eux. Fait que tu sais, c'est genre, ok, ben, t'as 2 minutes, même pas, là, t'es là. Une minute, là. Fais une couple de shots. Tu vas chercher tes shots avec le contenu après, puis. Non, on a du fun. Je l'ai aidé un peu au montage, mais vraiment, franchement, c'est sa job, c'est son truc, là.
C'était, ouais, non, c'était assez cool comme projet. Puis encore là, c'est de la pub, mais style docu. Là. Mais je ne sais pas pourquoi, puis c'est peut-être juste dans ma tête, là, mais je suis quand même habitué de voir ton style puis de dire « Ah, OK, ça, c'est Joe Brisebois. » Mais je sais pas pourquoi, on dirait que cette prod-là, je l'ai pas tout de suite perçu que c'était toi. Y a-tu quelque chose que t'as changé par rapport à cette prod-là, que ton approche, ton style de lancer? Peut-être que t'es habitué de voir des trucs que je shoot et je monte. Puis à ce moment-là, ah, je l'ai comme... Peut-être, ouais. Moi, peut-être. Monté, c'est pas ma réal aussi, c'est la réal de Max. Fait que, à ce moment-là, moi, je suis la direction que lui, dans laquelle il va aller. Ouais. Fait que peut-être c'est pour ça. Mm-hmm. Mais vraiment bon pour aller chercher le contenu, je trouve, d'aller chercher les bons soundbites qui viennent relever tout ça. Donc, ouais, c'est peut-être pour ça. Mais sinon, il y a pas mal de shots là-dedans que moi, je trouve qu'ils ressemblent à ce que je fais. C'est peut-être la façon que ça a été monté. Peut-être. Sinon, c'était une des questions que je me demandais en me disant peut-être que tu avais utilisé un autre style complètement. Tu as été, je sais pas moi. T'avais absolument tu shoot pas avec un pro mist, puis là t'as mis un pro mist. Tu sais, je dis n'importe quoi. S'il y avait eu quelque chose de complètement différent, mais effectivement. Non, mais je pense que c'est vraiment une question de contenu, puis de montage, puis ça c'est comme props à Max. Là. Ouais, définitivement. Comment est-ce que vous l'aviez approché, cette gig-là? Vous saviez, mais vous étiez un peu comme en mode. C'est ça, attente, puis vous saviez... C'était pas en même... mode guérilla, quand même, pas mal. OK, ouais, ouais. Ça paraît pas. Ça paraît pas pantoute. C'était quand même guérilla. Tu sais, comme New York, on était là peut-être 2 jours. Puis là, c'est comme, OK, il faut faire des images de New York. Puis c'était vraiment... Fait que là, Max, c'est comme parti de son bord. Puis là, j'étais avec le preneur de son, Marc-André. Puis on est comme, OK, on part de notre bar. Puis je pense qu'on a marché genre 10 km, genre on a marché partout, ici dans New York pour faire des images de la ville et tout, tu sais. Puis là, le lendemain, c'est comme, bon, qu'est-ce qui se passe? Ben là, on est supposé être là à telle heure, OK. Puis après ça, on va suivre la POC. C'est comme, OK, c'est bon, on fait ça, pas de problème. Fait que là, tu suis un peu qu'est-ce qui se passe. Puis même les photos shoots étaient en mode guérilla, là, tu sais, genre c'est du street lifestyle où est-ce que, hey, on va shooter là, OK. Ils ont leur spot un peu, mais pour vrai, il n'y a rien qui est comme, OK, à telle heure, on doit aller à tel endroit, où c'était vraiment genre, OK, on suit la pop. Fait que il y a beaucoup de trucs aussi. Faut que tu sois attentif un peu à ce qui se passe, puis être prêt, puis faire comme, ah, OK, ça c'est cool, ça, faut le shooter. Ou, tu sais, c'est sûr que tu as des trucs en tête que t'aimerais faire. Mais c'est pas toujours possible. On voulait filmer des espèces d'intro avec chaque photographe. Un peu pris le bord, ça, parce que finalement, on n'avait pas le temps de le faire. Mais il faut juste vraiment que tu sois attentif. Il y a des shots où tu vois les modèles danser et tout. T'sais. Tu peux pas juste être là avec ta caméra. Tu peux pas être là avec la caméra en train de tout filmer parce que ça va être l'enfer au montage. Ouais, c'est clair. Mais faut que tu feel le vibe et faire comme je pense qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui va se passer. OK, let's go, on le fait. T'sais. Mais un truc que moi, j'ai parce qu'on a eu la chance de travailler ensemble, qui est... Écoute, Joe, je te l'ai dit, puis je te l'ai dit, mais le monde ne sait pas. J'ai attendu 2 ans et demi pour t'approcher, pour faire un projet avec toi. Puis là, calvaire, il fallait que tu sacques ton camp en Australie, genre 2 mois après qu'on travaille pour la première fois ensemble. Mais joke, je fais des jokes, là, mais quand on a eu la chance de travailler ensemble sur le projet avec Alex Nevsky puis le MTLUS plus 2, c'est un truc que moi j'ai remarqué, c'est que tu as quand même la facilité à aller jaser et poser des questions au monde, chose que beaucoup de directeurs photos que moi je connais ne font pas. T'sais, habituellement, c'est tout le temps une question de c'est la réalisation, puis patati patata. T'es woke, excuse-moi, mais t'es woke sur ça d'être comme en mode relation client de manière constante. C'est props à toi pour vrai. Là. Ben, je pense, j'aime ça quand il y a un réel à côté de moi et qu'il va poser des questions. J'avoue que ça facilite la chose, mais ça arrive quand même. Peut-être que je suis reconnu là-dessus, là, mais tu sais, souvent le monde me lance dans un endroit en disant comme, ben, tu sais, comme, file la situation, puis genre, c'est ça, tu sais, comme, c'est comme, gars, il n'y a pas de problème. Puis je pense que surtout dans ce style,
soit en événementiel ou dans ce type de truc-là, j'ai de la facilité à gauger le vibe d'une personne puis d'une place. Puis tu sais, je peux faire comme cette personne-là, elle tripe pas à m'avoir à côté d'elle, fait que je vais y laisser plus d'espace. Puis on reviendra un peu après, tu sais. Puis ouais. Je vais pas l'écœurer avec la caméra. Puis d'autres que je vais faire comme, ok, ben, c'est hyper easy, je peux lui demander plein d'affaires, puis ça va être ok, let's go. Mais je pense que c'est aussi un des trucs qui fait que ça fonctionne des fois sur des projets comme ça. C'est que les clients, l'agence ou les clients, tu sais, ils t'engagent pour ton travail, clairement, mais ils t'engagent pour ta personne aussi. Ouais. Fait que si t'es là, puis tu chiales, puis t'es toujours en train de chialer, puis t'es pas facile d'approche, mais il y a des chances qu'ils vont pas vouloir travailler avec toi. Si t'es comme, je sais pas, si t'es bien chill, puis que y a des imprévus qui arrivent, mais c'est correct, on y va à go with the flow. Ouais. Puis en plus de ça, tu fais quelque chose de cool puis de beau avec ce que t'as devant toi, ben c'est sûr que ça va marcher, qu'ils vont vouloir te rappeler. Mais... Clairement. Ben, écoute, il me reste deux questions avant de te laisser, puisque là, je pense que tu vas vouloir aller déjeuner, parce que là, je te prends depuis 8h30 ce matin. Ouais, il y en a un qui se réveille en plus. Hello, Darwin. Hello, Boboon. si, admettons, OK, on se réveille, tac, la COVID est finie, ce n'était qu'un rêve, puis là, tu te réveilles. OK, cool. Tu peux aller shooter, tu peux shooter absolument n'importe quoi sans limite. Personne vivante ou pas, projet passé ou futur, qu'est-ce que t'aimerais shooter en 2020? Je sais pas trop. Clairement, soit faire un shoot style docu, là, de quoi je ne serais, juste de partir avec du monde, avec des amis que je m'entends bien, puis faire comme, hey, on part sur quelque part, puis on shoot. Ça serait un des trucs. Ouais. Je pense, sinon, genre, un des rêves que j'ai toujours voulu faire, je sais pas si je veux le faire encore, I guess, mais quand je faisais beaucoup d'événements, j'étais comme, mon rêve, ce serait de partir en tournée avec Arcade Fire. Sérieux? Je pense que ça serait encore ça. J'ai toujours trippé sur eux, toujours trippé sur leur vision et tout, fait que si genre d'un matin, ils disaient, on cherche un vidéographer pour partir en tournée, je fais quand même, c'est ça. Ben écoute, t'es connais-tu? T'es déjà non. rencontré? Non. Ben j'ai déjà vu une fois ou deux, mais je les connais pas personnellement. Ben écoute, je vais garder les yeux ouverts et les oreilles attentives parce que tu gravites dans le monde de la musique, mais j'ai la chance aussi, donc on sait-on jamais. Et pour les personnes qui sont avec nous, ça serait cool, mais non, je savais pas, man, que t'étais un tripeur du style d'Arcade Fire, c'est hot. Ben, j'adore leur vision de la chose, est assez incroyable, puis leur musique aussi, là, tu sais, c'est... Ben ouais. Fait que ouais, je pense de partir en tournée avec eux, ça serait comme fou, là, tu sais, puis en plus, c'est le genre de truc que t'amènes tout, là, t'amènes genre toutes les caméras, le style, puis tu sais, c'est genre, get du contenu, tu y vas raw, à fond, puis ouais. J'imagine. Ah oui, c'est clair. Ma dernière question avant de te laisser partir, si tu avais un conseil, n'importe qui, que ce soit vétéran ou pas, newbie ou pas, comment tu t'assures d'être constamment on top of your game? Sais-tu constamment être inspiré, faire beaucoup de lectures, écouter des audiobooks, courir, je ne sais pas. Comment tu t'assures d'être constamment inspiré pour ton style de direction photo? Je sais pas trop, je pense que c'est une question de juste en faire, puis faire des projets. En ce moment, il n'y a pas grand chose qui se passe. Là. J'ai peut-être un projet qui s'en vient, mais sinon, à part, j'ai pas grand chose. Fait que, tu sais, ouais. À ce moment-là, au lieu d'être genre juste comme à rien faire, puis attendre que quelque chose se passe, ben, faut que tu prennes un peu les devants. Fait que là, tu sais, bon, on a un projet perso, créatif, que je vais faire avec un ami ici en Australie, puis tu sais, à part, c'est juste de donner ton temps là-dessus. Fait que je pense que c'est vraiment juste de créer puis de pas attendre que ça va venir vers toi. T'sais. Ouais. Puis c'est vraiment juste ça. Puis d'essayer. Il y a plein de trucs. T'es aussi bien encore là. Essaye-le.
ça va-tu marcher si j'essaie de faire un truc dans ce genre-là? Puis après ça, peut-être ça a bien marché, puis tu dis, OK, ben next time, quand on aura du budget ou quoi que ce soit, ben je vais savoir c'est quoi la base, puis je pourrais l'améliorer avec ce que j'ai déjà fait, ou faire, ben ça va pas tout marcher, puis faut que je revoie telle technique, ou je sais pas, tu sais, quoi, comme ça. Je comprends. Fait qu'en gros, c'est ce que tu me dis, c'est comme au début de notre superbe entrevue, c'est d'être un gros hustler puis d'essayer des affaires, c'est ça? Ben, écoute, quand tu commences de rien, ça c'est clair. Ça, c'est faut que tu travailles à te faire des contacts et tout. Tu sais, ici, c'est un peu la même affaire. Là. Ouais, tu repars à zéro quasiment. Je connais personne là, en prod ici. Là. C'est vraiment de faire comme, OK, qu'est-ce que je fais? Puis tu sais, tu contactes des gens, puis t'espères qu'ils vont garder ton portfolio, puis tu vas prendre des cafés, puis tu parles, puis tu montres que justement que t'es quelqu'un de cool, qui est bien chill, puis après ça, you hope for the best. Ouais, définitivement. Ben, c'est vraiment hot que t'aies pris cette leap-là de repartir techniquement à zéro, oui, avec ton bagage d'expérience, mais de repartir avec un réseau, puis tu vas revenir, mettons, là, 3-4 ans, puis tu vas toute une sacrée volée. Anyway, fait que ça... Mais c'est clair que c'est clair que de toute façon, je vais revenir faire des projets à Montréal. Ouais. Ouais. On s'ennuie des amis, puis bon, pour vrai, Montréal est quand même une place assez spéciale. Je trouve côté créativité, c'est incroyable, comme les gens sont comme... Il y a quelque chose, une synergie, il y a quelque chose qui se passe à Montréal, puis tu ne le retrouves pas nécessairement ailleurs. En tout cas, pour l'instant, je ne l'ai pas nécessairement retrouvé ici à Melbourne, quoique c'est très créatif aussi. Mais ouais, Montréal est assez spécial, puis assurément que je vais revenir faire des projets dans le futur. Ça, ben écoute, lâche-nous un petit texte quand tu vas être in town, on ira se prendre un... Je ne sais pas quoi, peut-être avec un masque ou un scaphandre. Je sais pas. écoute, si tu avais quelqu'un à recommander, parce que moi, je suis toujours à la recherche de nouveaux talents et tout, si tu avais un shout-out ou quelqu'un que je devrais inviter à Picture Profile, ce serait qui? T'aurais-tu un ou deux noms à shout-out de même? Ben, c'est sûr que Adrien, ce serait... Oui. Un des gars, là. Adrien a accepté. Merci si Adrien est là. Il va venir, ça, c'est ça. Part de ça, ben, tu sais, pour vrai, je pense qu'il y a du monde que moi, que je respecte juste leur travail énormément. Puis, genre, Max Charon, c'en est un. Thierry Sirois, de chez Casadel, il y a Alexis Chartrand aussi. C'est tout du monde qui font des projets assez cool. Puis leur prod va super bien aussi, fait que... Ben écoute, ouais. je vais les poker, ça c'est clair. J'en connaissais 3 sur les 4, fait que je vais investiguer avec mon chapeau de Sherlock Holmes. Écoute, mais c'est sûr que si tu cherches plus des DP, j'essaie de... Côté DP... Ben honnêtement, c'est tout le monde, tu sais, je veux dire, j'ai même pensé aussi à Erika qui a su t'aider plus d'une fois, qui a aidé aussi à Adrien, Charlie et tout. Tu sais, vraiment, c'est pas vrai, genre Charlie, je pense que ce serait quelqu'un à inviter. Clairement. Elle va, moi je la follow de proche parce que elle va faire des gros trucs dans le futur. J'ai très hâte de voir ça. Écoute, buddy, je te laisse aller enjoy, puis peut-être, je sais pas, I guess que Darwin, il est passed out, là, fait qu'il n'ira pas marcher, mais... Ouais, il n'ira pas marcher, non. Non, ça, c'est clair. Écoute, merci vraiment beaucoup de ton temps. On a quand même jasé presque 1h40 ensemble, puis thanks pour ton temps avant. Je te souhaite le meilleur en Australie, puis écoute, quand tu viens, hein, fais juste nous poker, on va toujours être super content de te voir, puis... on se fera un fist bump à 2 mètres. Je sais pas. C'est bon. Excellent. C'est bon? Thanks, man. Merci de l'invitation. All right. Take care, là. Ciao. Ciao. Donc, ben voilà. C'était nul autre que le chum, que le seul et l'unique Broken Wood, Jonathan Brisebois. Merci beaucoup d'avoir toffé encore. J'en dirais que c'est plus un moment donné, je pense qu'on va se rendre à 4 heures. Ça n'a aucun sens. Encore une fois, j'ai oublié mon intro, mais
Picture Profile, c'est quoi? C'est un projet qui se veut simplement pour jaser. Jaser de la prod, découvrir démo reels, inspiration, des beaux projets de directeurs photo, réal, que ce soit même Assiscam, MUA, Grip, Gaffer, etc. Tous métiers confondus sur la prod. Et encore une fois, super important, c'est vraiment sans prétention. Merci d'avoir été avec nous, moi et mon salon dans mon grand 3,5 à Montréal. La semaine prochaine, je ne sais pas encore qui va être avec nous, mais ça va être encore une autre personne, sa grosse coche. Fait que, ben, merci gang, c'était vraiment nice de vous avoir, puis merci encore une fois pour les commentaires, c'est vraiment très cool. On n'en a pas nécessairement eu la chance d'en passer tout ce qu'on voulait, mais bon, hein, ça fait partie de la game. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine, vendredi ou samedi, je vais vous mettre ça en ligne sur Facebook. Fait que, merci, et j'arrête pas de le dire, merci full. Puis, ah oui, hey, j'oubliais. URL, si vous voulez simplement m'envoyer sur votre demo reel, il y a mon adresse courriel, médias sociaux, il y a même mon numéro de téléphone parce que je suis fou de même. Puis faites-moi découvrir des trucs, j'ai envie qu'on en jase, même si c'est simplement pour le fun, j'ai envie de découvrir votre talent. Fait que on se revoit la semaine prochaine. Fait que thanks tout le monde, ciao!